Moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit. Alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Baptisons au nom de Jésus. Seigneur Jésus,
grâce de ton esprit. Reçois maintenant. Reçois le sang. L'esprit de Dieu. Les amis, on vous invite aussi à Jésus, hein. On vous invite à Jésus, hein. Mon ami, donne ta vie à Jésus. Oui. Hein? Tout ce que tu dis là, moi j'ai dépassé ça. Donne ta vie à Jésus. Il n'y a rien dans tout ça. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Oh mon frère, c'est des incantations. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Mon ami, les grands marabouts, même les grands marabouts, ils savent que c'est Jésus qui est Dieu. Donne ta vie à Jésus. Ces musulmans, ils ont quitté la France, ils ont découvert Jésus. Ils sont venus jusqu'à essayer Jésus. Alléluia. Voilà. Alléluia. Jésus. Le frère Pierre a vu la lumière de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est la lumière de la vie. Alléluia. La qualité de Marie, toi attaché à ta vie, dans le nom de Jésus. Dieu, je prie maintenant pour moi là. Chauffez, chauffez, chauffez pour Jésus. Victoire, victoire, Jésus. Le feu, le feu, le feu, le feu, chauffez, chauffez pour Jésus. Alléluia. Il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours. Il ne change pas. Dieu va faire. Chauffez, 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 chauffez. Jésus, il faut sortir en dansant. Victoire, il faut sortir en dansant. C'est ça. Tu as reçu la victoire de Jésus. Il est merveilleux.
Il est tout puissant. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Et béni le roi des Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Et béni le roi des Dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus.
de Jésus, alléluia. Chers frères et sœurs, je bénis vraiment le Seigneur pour votre vie. Et je vous souhaite la bienvenue et dans la famille de Jésus-Christ. Amen. Parce que le baptême fait partie des pas importants dans l'engagement, dans la marche avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce qui veut dire que le baptême est très important dans la marche chrétienne. Et donc vous avez posé ce pas de façon officielle pour dire définitivement à Dieu, au monde et ses rudiments. Vous avez tourné définitivement la page de ce monde. Donc ce que je tiens à vous donner comme conseil, comme exhortation, c'est de maintenir votre alliance avec Jésus-Christ, de maintenir cet engagement, cette détermination de tenir ferme, de ne plus retourner dans les choses que vous avez confessées et que vous avez demandé pardon à Dieu. Ne retournez plus jamais dans ces choses et travaillez davantage votre salut avec crainte et tremblement, en sachant que bientôt notre Seigneur Jésus vient pour nous chercher. Donc vous devez vous préparer au jour le jour, examiner votre vie au quotidien et n'éteignez pas la lampe que le Seigneur a allumé en vous. N'éteignez pas cette lampe, n'éteignez pas cette flamme. Au contraire, travaillez au jour le jour pour que cette lampe puisse embraser et éclairer le monde. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Donc quand vous allez quitter ici, vous devez travailler pour que cette lumière continue d'éclairer, d'agrandir, pour éclairer votre maison, votre famille, votre quartier, votre ville, votre pays, partout où vous passez, que cette lumière brille en vous. Et cette lumière, c'est la lumière de l'évangile. Vous devez évangéliser, vous devez annoncer la bonne nouvelle. Et annoncer la bonne nouvelle, c'est pas seulement dire à la bouche, Jésus vous aime, venez à Jésus, mais pas vos caractères, les nouveaux caractères, alléluia, que vous allez adopter désormais, vont impacter les hommes, votre entourage, qui vont témoigner que, ah, effectivement, vous avez changé d'attitude, vous êtes devenu quelqu'un de nouveau, et c'est eux-mêmes qui vont vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu es rentré dans quoi? Tu vas leur dire, oui, je suis né de nouveau, je suis devenu disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas tes caractères que le monde sera convaincu que tu es devenu disciple de Jésus. Alléluia. Donc si tu évangélises pas tes caractères, c'est facile maintenant de dire par la bouche, venez à Jésus,
et les gens vont prêter oreille à toi, les gens vont prêter attention à toi. Mais si tu ne changes pas de nouveau caractère pour être, pour montrer que tu es né de nouveau, tu vas parler beaucoup, mais les gens ne vont pas prêter attention à ça. Donc ce qui veut dire que vous devez travailler réellement pour briser, détruire, enterrer votre vieille nature, votre vieil homme, et adopter maintenant les caractères de l'homme nouveau. Alléluia. Et sans les fruits de l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez plus, vous ne pouvez pas avoir ces caractères de l'homme nouveau. Donc vous devez vraiment méditer la parole de Dieu pour recueillir les fruits de l'Esprit de Dieu, que sont la paix, la joie, l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la bénité. Ces fruits-là, en vous, ça fait de vous des hommes nouveaux. Alléluia. Et vous devez tout faire. Vous devez tout faire pour montrer que réellement, vous marchez dans la sanctification. Et ça, vous devez méditer la parole de Dieu. Alléluia. Et restez, restez debout dans la sainte doctrine. Tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez dire, il faut réfléchir. Est-ce que cela est conforme à la sainte doctrine, à l'évangile de Jésus-Christ, avant de le faire? Alléluia. Mais... donc voilà un peu la petite exhortation que je tiens à partager avec vous. Alléluia. Ok. Vous allez vous disposer. Nous allons prier. Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu très très saint. Papa, voilà tes enfants nouvellement recrutés pour le ciel, nouvellement engagés pour le ciel, Seigneur Jésus. Qui peut marcher avec toi s'il n'a pas ton esprit? Qui peut marcher avec toi s'il n'a pas ton esprit? Alors je prie, Seigneur Jésus, ils sont déjà engagés dans l'eau de baptême par ton nom qui symbolise ta mort et ta résurrection. Alors à présent, je prie Seigneur que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre dans leur vie et que ton esprit descende dans leur vie maintenant. Que ton esprit descende dans leur vie. Que ton esprit se descende dans leur vie et les remplit. Et les remplit. Seigneur, tu les remplis. Tu les remplis de ton feu. Tu les remplis de ta puissance. Tu les remplis de ton feu. Tu les remplis de ta puissance. Ta puissance en eux, Seigneur. Ton feu en eux, Seigneur. Tu les bâtis de ton feu, de ta puissance, de ton feu, de ton onction, de ta puissance, de ton feu, de ton onction, de ton feu, de ta puissance. Seigneur, tu les bâtisses. Tu les remplis. Tu les remplis. Tu les remplis, amen. Tu les baptises, amen. Tu les remplis, amen. Tu les baptises, amen. Tu les remplis, amen. Tu les remplis, amen. Seigneur, remplis-les. Seigneur, remplis. Seigneur, remplis-la. Remplis-la. Seigneur, remplis-la. 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 Seigneur, remplis-la. 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 Tu la remplis. Tu la remplis. Tu la remplis. Seigneur, tu la remplis. Tu la remplis maintenant. Merci Seigneur. Tu la remplis. Tu la remplis de ton feu. Ta puissance en elle. Ta puissance en elle, ton feu en elle,
ton feu fait d'elle une nouvelle créature. Tu la remplis, tu la transformes, tu la remplis, tu la transformes, tu la remplis de ton feu, de ta puissance. Seigneur, tu actives les dons en elle, les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, tous les dons qui dorment en elle. Se réveille, 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 se réveille. Seigneur Jésus, sa vie de prière change. Sa vie de prière change. Sa vie de méditation. Sa vie de méditation change. Seigneur, désormais, elle reçoit le goût de la prière. Elle reçoit le goût de la méditation. Elle reçoit le goût de jeûner. Elle reçoit le goût d'évangéliser. Oh, tu l'as rempli d'un feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit en elle. Ça brûle en elle. Ça brûle en elle. Dans son corps, dans son âme, dans son esprit. C'est le feu dévorant. C'est le feu du Saint-Esprit. Ça remplit son corps pour la pousser. Pour la pousser à agir. Pour la pousser à évangéliser. Pour la pousser à prier. Pour la pousser à évangéliser. À jeûner. Oui, Seigneur. Papa, Seigneur Jésus, ton serviteur, il n'est plus ce qu'il était. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles dans sa vie. C'est pour ça que je déclare. Le ciel s'ouvre dans sa vie. 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 Au nom de Jésus. Le ciel s'ouvre dans sa vie. Au nom de Jésus. Seigneur, le ciel s'ouvre dans sa vie maintenant. Et tu le touches. 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 Et tu le baptises. Tu le baptises de ton feu. Tu le baptises de ton feu. Ton esprit maintenant le saisit. Ton esprit le saisit. Ton esprit le saisit. Ton esprit le saisit. Seigneur, si tu l'as envoyé au Bénin ici, depuis la France, c'est parce que tu as un projet pour lui. Un nouveau projet pour lui. Seigneur, le champ est vaste, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, tu nous as dit de prier pour que le maître envoie d'ouvriers dans le champ. Papa, voilà, fais de lui un ouvrier. Au nom de Jésus. Seigneur, fais de lui au un ouvrier. De Jésus. Et que ton esprit descend en lui. Ton esprit le remplit. Ton esprit le remplit de ton feu maintenant. Ton feu en lui. 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 Tu le remplis. Tu le remplis. Tu le remplis, 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 remplis. Seigneur, tu le remplis, tu le remplis. Tu n'as pas dit ton dernier mot dans sa vie. Tu as de nouvelles choses à faire. Tu as de nouvelles choses à faire dans sa vie. C'est pour ça que je prie. Équipe-le maintenant. Équipe-le maintenant. Équipe-le. 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 Comme un soldat, Seigneur. Tu le soulèves. Par ta puissance. Comme un soldat. Tu le soulèves. Comme un soldat. Tu le soulèves. Pour l'équiper. Comme un soldat. Tu le soulèves. Comme un soldat. Tu le soulèves. Pour l'équiper. Pour l'équiper. Pour l'équiper. Pour l'équiper. Comme un soldat. Tu le soulèves maintenant. Tu le soulèves maintenant. Tu le soulèves par ta puissance, par ton esprit saint. Parce que tu as un grand projet dans sa vie. Un grand projet dans sa vie. Seigneur, ta puissance. Ta puissance à lui. 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 Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Il y a un feu. Il y a un feu qui est cassé en lui. Ce feu s'explose maintenant. C'est le feu du Saint-Esprit. Il y a un feu caché dans son cœur. Il y a un feu caché dans son cœur. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. Ce feu s'explose maintenant. Ce feu déborde en lui. Ce feu déborde en lui. Déborde. 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 Seigneur Jésus, tous les dons qui sont cachés en lui se réveillent. Tous les dons qui sont cachés à lui se réveillent. Seigneur, tous les dons qui sont cachés à lui se réveillent. 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 Sa vie de prière change. Sa vie de prière change. Sa vie de jeûne change. Sa vie d'évangélisation change. Papa, tu le oins. Tu le oins, papa, pour te servir dans la vérité, dans la sainteté, dans la sainte entrée.
C'est pour ça que, Seigneur, je prie maintenant que ton Esprit Saint le soulève. Tout ce qui l'empêche de se tenir debout soit détruit dans sa vie. Au nom de Jésus. Tu le soulèves maintenant. Tu le soulèves maintenant. Tu le soulèves maintenant. Tu le soulèves maintenant. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Te soulève. Te saisis et te soulève. Non, te soulève. Et te soulève. Non, la puissance du Saint-Esprit. Te saisis et te soulève. Le Saint-Esprit. Te saisis. Et te soulève. Les liens sont brisés. Les liens qui te retiennent encore. Captive. Ces liens sont brisés. 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 Les dernières chaînes sont ôtées. Les dernières chaînes sont ôtées. 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 Ôtées maintenant. Tu es libéré. Tu sors maintenant. Ton âme sort de la tombe. Tu sors de la tombe. Tu sors de la tombe. Sors de la tombe. Ton âme sort de la tombe. Sors de la tombe. Sors maintenant. Sors. La puissance du Saint-Esprit te saisit et te sort de la tombe. Te sort de la tombe. Te sort de la tombe. Te sort. Te sort. Te sort. Te sort. Sors. Sors. Sors maintenant. Tu sors de la tombe. Tu sors de la tombe. Tout ce qui retient encore ton âme en captive. Les liens sont rompus. Oh non, les liens sont brisés. Oh toutes les chaînes sont rompues. Oh maintenant, tu reçois une force. La puissance du Saint-Esprit suivra sur toi. Et tu reçois une force. La parole déclare, vous recevez une force. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es venu au Bénin ici pour être témoin de Jésus-Christ. Tu es venu ici au Bénin. Pour être témoin, serviteur témoin de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il te bâtit de son esprit. Rien ne peut plus te retenir. Rien ne peut plus te retenir en captivité. C'est pour ça qu'il te remplit de son esprit. Et il te saisit maintenant. Et il te soulève maintenant. Il te soulève. 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 Il te soulève, il te soulève, il te soulève, 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 te soulève, soulève, Qui brise ta joue. Il te soulève maintenant. Parce que tes chaînes sont rompues. Tes chaînes sont rompues. Il te saisit. Il te soulève. Il te soulève. Comme un jeune soldat. Tu te soulèves. Il te soulève maintenant. Il te soulève maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te quitte maintenant. Il te quitte maintenant. Il t'équipe maintenant. Il t'équipe maintenant. Il t'équipe maintenant. Il t'équipe maintenant. Oui, comme un soldat, tu reçois maintenant le casque du salut. Tu reçois le casque du salut. Tu reçois le casque du salut. Et tu reçois la grâce de justice. Tu reçois la ceinture de vérité. Et tu reçois les bâtons de l'évangile. Tu reçois les bâtons de l'évangile. Le feu de l'évangile dans tes pieds. Le feu de l'évangile dans tes pieds. Tu reçois le feu. Le feu dans tes pieds. 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 Le feu en toi. 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 Le feu du Saint-Esprit. Ça te remplit. Ça te remplit. Ça te remplit. Ça te remplit. Comme un soldat. Ça te remplit. Tu es équipé. Tu es équipé. Tu es équipé. Tu es équipé. Yes. Tu reçois maintenant le bouclier de la foi et l'épée de la parole. Tu reçois le bouclier. Tu saisis le bouclier, l'épée de la parole maintenant pour décapiter les hommes forts de cette génération. Pour décapiter les esprits de famille qui te combattaient. Pour décapiter les esprits méchants. Tu reçois ton épée. L'épée est dans ta main. L'épée est dans ta main. Tu le saisis. 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 C'est l'épée. L'épée à double tranchant. L'épée flamboyant. L'épée flamboyant. L'épée flamboyant. Pour décapiter les hommes forts de cette génération. Le Seigneur te fait porter
un nouveau manteau. Manteau de soldat. Manteau de guerrier. Manteau de guerrier. Manteau de guerrier. Jésus fait de toi un manteau pour briser les rocs de cette génération. Jésus fait de toi un manteau pour briser les rocs des esprits de sorcellerie de ta famille. Des esprits de famille de ta famille. Tu es devenu un manteau pour briser leurs hôtels. Comme Gédéon, Jésus fait de toi un homme dangereux devant le monde des ténèbres. Jésus fait de toi un homme dangereux devant le monde des ténèbres. Jésus fait de toi un homme dangereux pour le monde des ténèbres. Un homme dangereux pour le monde des ténèbres. Regarde comment tu es rempli de feu. Regarde comment le feu te remplit. Regarde comment tu es rempli de feu. 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 Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne tiendra devant toi. Tant que tu vis, partout où tu mettras ton pied, ce lieu devient ta propriété. 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 Tu es pierre. Jésus-Christ a fait de toi une pierre. Une pierre angulaire dans ta famille. Jésus fait de toi une pierre angulaire dans ta famille. Parce que tu es tiré, oui, du rocher des âges. Tu es tiré du rocher des âges. Tu es tiré du rocher des âges. Jésus-Christ t'a formé pour que tu sois une pierre angulaire dans ta famille. Oui, Jésus fait de toi une lumière pour éclairer ta famille, pour éclairer ton entourage, pour éclairer ta génération. Oui, c'est Jésus qui le fait. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui le fait. Et nul ne peut le faire. Nul ne peut le faire à part lui. C'est pour ça qu'il sème en toi les fruits de l'esprit, les fruits de paix, les fruits de joie, les fruits d'amour, les fruits d'humilité, les fruits de patience, de tempérance, de bonté et de pénitence. Tu es équipé pour ça. Tu es équipé pour ça. Jésus met sa parole dans ta bouche. Jésus-Christ met sa parole dans sa bouche, dans ta bouche. Comme il a dit à Jérémie, oui, la parole est dans ta bouche. Il le mange. Tu manges la parole. L'évangile de la sainte doctrine. L'évangile de la bonne nouvelle. Tu le manges, tu le dévores, tu le manges. Ton âme reçoit maintenant les rudiments de la sainte doctrine. 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 Jésus les sème dans ton cœur. Jésus sème la parole. L'évangile pur dans ton cœur. Jésus la sème dans ton cœur. L'évangile pur. Jésus sème dans ton cœur. Dans ton âme, dans ton esprit. Désormais, tu respires la sainte doctrine. 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 Tout ce qui est en toi devient saint. Devient saint. Devient saint. Elle se synchronise avec la sainte doctrine. Elle se synchronise avec la parole de Dieu. Oui. Tu es lumière. Tu es lumière pour éclairer les ténèbres. Tu es lumière pour éclairer les ténèbres. Tu es lumière pour éclairer les ténèbres. Toi et tes entrailles. Tous tes entrailles sont bénies. Les fruits de tes entrailles sont bénis. Tes enfants sont bénis. Ta femme bénie. Ton entourage béni. Tout ce que ta main touche est béni. Tout ce que ta main touche est béni. Les oppressions sont finies. Les oppressions sont finies. Les esprits de famille sont finis. Ils sont vaincus. Parce que Jésus-Christ les a mis KO. Et aujourd'hui, tu es devenu un guerrier pour marcher sur les scorpions, sur les principautés, sur les esprits méchants, sur les serpents de famille. Tu les écrases par tes pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ te soulève maintenant. Jésus-Christ te soulève maintenant. Et tu te tiens debout pour marcher la tête haute devant toutes les entités spirituelles. Et tu les as tous vaincus par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, voilà ta fille. Seigneur, ton feu en elle. 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 Ton feu en elle, 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 ton feu en elle.
ton feu éternel. Seigneur, tu l'as rempli. Tu l'as rempli de ton feu. Tu l'as rempli de ton feu. Ton feu déborde en elle. Déborde en elle. Tu l'as saisi. Oui, il y a un feu qui monte en elle. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. Ça l'a rempli maintenant. Elle ne peut pas tenir. Oui, parce que tu l'as sorti de sa famille pour faire quelque chose de nouveau en elle. Seigneur, tu la délivres de tout blocage. Tu la délivres de tout blocage de prison. Et tu la bâtis de ton feu, de ton Esprit Saint. De ton Esprit Saint. Seigneur, s'il y a un autre esprit qui ne glorifie pas ton nom dans son corps, qui bloque ta présence en elle, que cet esprit soit ligoté et jeté dans les eaux, jeté dans les abîmes, jeté dans le feu. Au nom de Jésus. Et je déclare maintenant, et reçois maintenant le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit en elle. Elle ne peut pas tenir. Elle ne peut pas résister. Parce que le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un feu. Le feu est en elle. Le feu est dans sa bouche. Le feu est dans son cœur. Le feu est en elle. Le feu est dans sa bouche. Oui, Seigneur. Le feu est en elle. 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 Seigneur Jésus. Si c'est ton esprit, tu la soulèves avec ta puissance. Ta puissance la soulève. Et tu l'as rempli encore, Seigneur. Le don d'interpréter. Oui, Seigneur, il y a des dons qui ne viennent pas seuls. Le parler en langue est souvent accompagné du don d'interprétation. Alors tu lui donnes maintenant le don d'interpréter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton feu dans sa bouche, ton feu dans son cœur. Seigneur, s'il y a quelque chose dans son cœur qui ne glorifie pas ton nom, qui bloque le palais à l'homme, je prie maintenant que ton sang purifie son cœur de la haine, de la colère, de la jalousie, de la méchanceté. Purifie son cœur de calomnie, de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Amen. Et tu sèmes dans son cœur maintenant les fruits de l'esprit, les fruits de paix, les fruits d'humilité, les fruits d'amour, les fruits d'humilité, de patience, de tempérance. Oui, les fruits de bonté qui produit en elle maintenant un feu puissant. Ça produit, les fruits de l'Esprit de Dieu produit en l'homme un feu puissant, le feu du Saint-Esprit. Ça produit le feu du Saint-Esprit. C'est ce feu maintenant qui l'embrase maintenant. Ça l'embrase. Toute connexion de Python qui siffle dans sa bouche, je saisis le pied, je coupe, je déclare, elle reçoit le palais à l'âme, oui, le palais à l'âme authentique. Oui, Seigneur Jésus. Le feu est fort. Le Saint-Esprit, c'est un feu. Oh Seigneur, le Saint-Esprit est en train de faire un travail puissant dans ses enfants. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail puissant. Un travail de restauration puissant.
un travail de restauration puissant. Un travail de restauration puissant. Un travail de restauration puissant. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Le Saint-Esprit qui le fait pour achever sa délivrance. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'achever sa délivrance. Oui, c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire le travail. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Seigneur, tu l'as rempli encore. Tu l'as rempli encore. Tu l'as rempli encore. Tu l'as rempli encore. Parce que tu veux l'amener à une autre dimension. Tu veux l'amener à une autre dimension. C'est une autre dimension. Tu veux l'amener à une autre dimension. Seigneur Jésus, si c'est ton esprit, tu lui donnes le don d'interpréter. Tu lui donnes le temps d'interpréter. Tu lui donnes le temps d'interpréter. Le temps d'interpréter. Le temps d'interpréter. Le temps d'interpréter. Par ta présence en elle, tu guéris toutes les blessures dans son cœur. Tu guéris toutes les blessures dans son cœur. Tu l'as guéri de toutes sortes de blessures dans son cœur, dans son âme, dans son, dans son être tout entier. Toutes sortes de blessures dans son cœur, papa. Tu guéris, tu guéris, tu guéris les blessures. Tu guéris les blessures, tu guéris les blessures. Tu guéris les blessures en elle, les blessures en elle. Seigneur Jésus, merci. Merci, papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, papa. Seigneur, regarde le travail que tu es en train de faire. Seigneur, regarde le travail que tu es en train de faire. Papa, sa vie tout entière a été un combat. Sa vie tout entière a été un combat. Aujourd'hui, tu lui as donné la victoire. Amen. Tu lui donnes le nom de victoire. Parce que tu as gagné les combats dans sa vie. Seigneur Jésus, mais comment peut-elle marcher avec toi si elle n'a pas ton esprit? Comment peut-elle te servir si elle n'a pas ton esprit? Alors Seigneur, je prie que le ciel s'ouvre dans sa vie. Que le ciel s'ouvre dans sa vie. Et fais déborder sur elle ta puissance, Seigneur. Ta puissance, ton esprit en elle, ton esprit en elle, ton esprit en elle. Le feu descend, ça descend en elle. Depuis le ciel, depuis le trône de grâce, le feu descend en elle. Ça descend en elle, ça descend en elle, ça descend en elle. Seigneur, tu l'as rempli, tu l'as rempli, tu l'as rempli, tu l'as rempli, tu l'as rempli de ta puissance. Ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance en elle, ta puissance en elle, ta puissance en elle, ta puissance en elle. Elle ne peut pas résister. Le feu monte, même depuis ses pieds. Elle sent le feu en elle. Elle sent le feu. Elle sent le feu. C'est le feu du Saint-Esprit. 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 Seigneur Jésus, tu l'as baptisé. Tu l'as baptisé. Tu la baptises, 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 tu la baptises. Oui, tu n'as pas fini son travail, 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 parce que tu es un Dieu qui ne fait pas les choses à l'inachevé, tu ne fais pas un travail à l'inachevé. Seigneur, ce que tu as commencé dans la vie de ta fille Victoire, achève-le maintenant. Achève-le, achève-le. Achève-le, achève-le. Achève-le. Gloire à Jésus. Je t'accepte. Elle reçoit de puissants dons d'interprétation. Ne retourne pas. Oui. C'est la puissance de prophétie qui parle. C'est la puissance. Je t'accepte. C'est la puissance de la prophétie. C'est maintenant, elle reçoit le don d'interprétation. Elle reçoit le puissant don d'interprétation. Seigneur Jésus. Nous prions que tu bénisses sa langue, papa. Seigneur, donne un message à sa vie. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, que le feu augmente. Que l'interprétation soit claire. Seigneur, que l'interprétation soit claire. Ton feu à l'aide. Regarde comment je t'ai envoyé. La puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, jaille dans sa vie, jaille dans sa vie, jaille dans sa vie, jaille dans sa vie. La puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Agis en elle, agis en elle. L'enflamme, 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 enflamme. Seigneur, tu l'enflammes. Seigneur, tu l'enflammes. Seigneur, tu l'enflammes. Tu l'enflammes. Tu l'enflammes. Tu l'enflammes. Tu l'enflammes. Tu l'enflammes. De ton feu. Ton feu en elle. Ton feu en elle. Ton feu en elle. Ton feu en elle.
Tu la baptises. Je détruis ces liens. Toi, esprit de famille, qui bloque la présence du Saint-Esprit en elle, par le nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je te saisis. Le feu est dans son cœur, dans sa bouche, dans tout son corps, dans tout son corps sans le feu. Jésus-Christ est Dieu. Toute présence impure dans ce corps qui bloque la présence du Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant. Le feu dévorant maintenant descend pour consumer toute présence, tout hôtel de famille encore présent dans ce corps qui bloque la présence du Saint-Esprit. Je prie maintenant, Retourne au village. Retourne dans ta famille. Les âmes en train de souffrir. Alléluia. Le Seigneur l'envoie à l'évangéliser. Alléluia. Seigneur Jésus, ta fille, tu n'as pas dit ton dernier mot sur elle. Tu connais le projet, tu as dit je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Alors je prie maintenant, s'il y a encore des connexions qui bloquent son âme, je prie que ces connexions soient détruites. Que son âme sort de la tombe maintenant. Le Saint-Esprit te visite maintenant. L'Esprit de Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y a un travail à faire. Seigneur Dieu, voilà.
Seigneur Jésus. Voilà ton fils, Seigneur. Voilà ton fils. Voilà ton fils. Voilà ton fils, Seigneur. Tu veux faire de lui. Tu veux faire de lui un puissant guéri. Un puissant guéri. Seigneur, je déclare maintenant que ton feu le remplisse. Que ton feu le remplisse. Que ton feu le remplisse. Tu le remplisses. Tu le remplisses. Tu le remplisses. Tu le remplis, tu le remplis, tu l'équipes, tu le remplis, et tu l'équipes, tu le remplis, 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 tu l'équipes, ton esprit en lui, 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 ta puissance descend en lui, ta puissance de feu, ta puissance de feu, le remplis, le remplis, le remplis, le remplis, le remplis, toutes sortes de connexions, toutes sortes de liens. Qui condamne encore sa vie. Je prie que ces liens soient rompus. Ces liens soient rompus. Ces chaînes sont rompues maintenant. Complètement. Maintenant, Seigneur, tu as dit. Tu as dit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, à Galilée, à Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, Seigneur Jésus, Papa, tu fais témoigner sur lui ta puissance, Seigneur. Ta puissance en lui. Ta puissance en lui, 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 ta puissance en lui. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend en lui. Ça le remplit, ça le saisit, 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 ça le remplit. Seigneur, Papa, tu as de nouveaux projets pour lui, projets de paix et non de malheur, afin de faire de lui une nouvelle créature. Seigneur Jésus. Tu veux l'utiliser puissamment dans plusieurs domaines. Tu as mis plusieurs dons en lui, plusieurs talents en lui. Seigneur Jésus, Papa, ton esprit déborde. Ton esprit déborde en lui, Papa, pour réveiller ces dons. Pour réveiller ces dons. Ces dons qui sont cachés en lui. Ces dons qui sont cachés en lui. Tu réveilles maintenant. Tu les 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 réveilles maintenant. Agis, agis, agis à lui. Seigneur, agis en lui. Seigneur Jésus, agis en lui. Seigneur, agis en lui. Agis maintenant en lui. Agis maintenant en lui. Agis maintenant en lui. Seigneur, agis maintenant en lui. Tu l'équipes. Tu l'équipes. Tu l'équipes comme un vaillant guerrier. Tu l'équipes maintenant. Comme un vaillant guerrier. Tu l'équipes maintenant. Tu l'équipes maintenant. Tu lui fais porter le casque du sang. Seigneur, tu lui portes la cuirasse de justice. La ceinture de vérité, les bottes de l'évangile. Et tu lui donnes l'épée de la parole. L'épée de la parole. Et le bouclier de la foi. Comme un puissant guerrier. Tu l'enflammes maintenant. Tu l'enflammes maintenant. Tu l'enflammes maintenant. Et tu fais de lui un soldat, un puissant guerrier. Pour combattre les enfants de cette génération. Les esprits méchants, les esprits de famille. Tu lui donnes le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, les principautés et les esprits méchants. Et nul ne pourra le vaincre. Seigneur Jésus, ton feu dans ses oreilles, ton feu dans ses oreilles, ton feu sur ses yeux, ton feu dans sa bouche. Tu mets ta parole dans sa bouche. Tu mets la parole de l'évangile dans sa bouche. La parole de feu 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 dans sa bouche. Seigneur Jésus, Papa, tu réveilles cette don de vision. Cette don de révélation. Cette don de vision. Cette don de révélation. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Papa, voilà ton fils. Seigneur, voilà ton fils, Seigneur. Papa, tu attires les dons en lui. Tu attires les dons en lui. Les dons en lui, Papa. Tu attires les dons en lui. 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 Active-les maintenant. 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 Seigneur Jésus, ton feu en lui, dans son cœur, dans sa bouche. Sur ses yeux, dans ses oreilles, il reçoit ton feu dans ses mains, sous ses pieds, le feu du Saint-Esprit, le feu déborde en lui, le feu déborde en lui, le feu déborde en lui, le feu déborde en lui. Seigneur, tu veux faire de lui un soldat, un puissant soldat, un guerrier, Seigneur, un guerrier. Seigneur, tu fais de lui un guerrier. Seigneur Jésus, tu l'as sorti de sa famille,
parce que tu veux l'utiliser puissamment. Seigneur, tu l'as sorti de sa famille parce que tu veux l'utiliser puissamment. Tu veux l'utiliser puissamment. Oui, pour renverser les forteresses de sa famille, les forteresses spirituelles de sa famille. Tu veux l'utiliser, papa. Oui, Seigneur, pour démolir les murailles de sorcellerie de sa famille. Alors, il a besoin d'être équipé, Seigneur. Comme un vaillant guerrier, comme un vaillant soldat. Seigneur, tu l'équipes. Seigneur, tu l'équipes. Tu le remplis. Tu l'équipes. Tu le remplis de ton feu, de ta puissance. De ton feu, de ta puissance. De ton feu, ta puissance à lui. Ton feu à lui. Ta puissance. Ton feu, ta puissance. Ton feu à lui. Seigneur, enflamme-le. Seigneur, enflamme-le. 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 Enflamme-le, 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 enflamme-le. Ton feu en lui, ton feu dans sa bouche, ton feu dans sa bouche. Active maintenant, active maintenant, active maintenant, active maintenant, active maintenant, active maintenant, active maintenant. Seigneur Jésus, active là, active. Le feu monte, le feu monte, le feu monte. Le feu monte en lui, le feu monte en lui, le feu monte en lui, le feu monte en lui. C'est le feu du Saint-Esprit. Ça te débat dans son cœur, ça te débat dans sa bouche, ça te débat sur ses yeux. Active le feu en lui, active le feu en lui, active le feu en lui, active le feu en lui. Active le fer lui, 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 active le fer lui. Beaucoup de feu, beaucoup de choses à faire par lui. C'est pourquoi je déclare que tu actives tous les dons qui sont cachés en lui, tous les dons qui sont cachés en lui, tous les dons qui sont cachés en lui. Sois activé maintenant. Active-les, 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 active-les. Seigneur Jésus. Jésus-Christ est à lui. Jésus-Christ est à lui. Le trône de Jésus descend. Le trône de Jésus descend en toi. Le trône de Jésus-Christ descend en toi. Le trône de Jésus descend en toi. Le trône, yes. Alléluia. Si j'étais orienté, c'est pour pouvoir élargir mon réveil. Alléluia. Si j'étais prélevé de ta famille, alléluia. Oh, c'est pour sauver la nation béninoise, alléluia. Et le monde entier, alléluia. Et élargis mon réveil, alléluia. Partout dans le monde entier. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi. Alléluia. Sois humble. 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 Alléluia. Écoute ma voix. Alléluia. Sois dépendant de moi. Sois prisonnier de moi. Alléluia. Sois prisonnier de moi. Alléluia. Sois esclave de moi. Alléluia. Oh, Alléluia. Seigneur Jésus, gloire à ton nom. Seigneur, gloire à ton nom. Seigneur Jésus, tu le roi maintenant. De ta puissance. De ta puissance maintenant. De ta puissance maintenant. De ta puissance maintenant. De sa puissance maintenant. De ta puissance maintenant. Tu fais de lui, Seigneur, un guerrier. Un guerrier. Un guerrier. Un guerrier, Seigneur. Tu fais de lui un guerrier. Tu fais de lui un guerrier. Un puissant guerrier. Un puissant guerrier. Seigneur, tu l'équipes maintenant. Tu l'équipes maintenant. Tu le soulèves maintenant. Comme un puissant guerrier. Seigneur, tu le soulèves. De ta puissance, pas ta puissance. Tu le soulèves. Tu le soulèves. Tu le soulèves. Pas ta puissance, tu le soulèves maintenant. 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 Pas ta puissance, tu le soulèves. 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 Tu le soulèves maintenant. Tu le soulèves. La puissance. La puissance du Saint-Esprit. Te soulève. 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 Te soulève maintenant. Te soulève maintenant. Te soulève maintenant. Te soulève maintenant. Oui. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il déborde en toi. Il déborde en toi. Bas sa puissance. Bas ta puissance. Bas sa puissance. Bas ta puissance. Oui. Il met le feu en toi.
le feu de l'évangile dans ta bouche. 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 Le feu de l'évangile dans ton cœur. Je sème la parole dans ton cœur. Je sème la parole dans ton cœur. Dans ton cœur. Dans ton cœur. La parole de l'évangile. La sainte doctrine. Elle se met dans ton cœur. 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 Tu manges la parole. Tu manges l'évangile. Comme Jérémie, tu la manges, 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 tu la manges. Oui, tu la dévores, 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 tu la dévores. Oui, à partir de maintenant. La parole de feu est dans ta bouche. Toute parole qui sort de ta bouche, ça sort comme épée. Ça sort comme épée. Ça sort comme épée pour décapiter les enfants de cette génération. Pour décapiter les Goliaths de cette génération. La parole qui sort de ta bouche sort maintenant comme un feu pour consumer la forteresse du diable. Pour consumer la forteresse du diable. Oui. Jésus te relève de ta chute. Jésus-Christ te relève de ta chute. Jésus te relève de ta chute. Jésus te relève de ta chute. Jésus-Christ te relève de ta chute. Ceux qui avaient un regard négatif sur toi vont témoigner. Oui, que tu as croisé l'homme de Galilée. Ceux qui avaient un regard malveillant sur toi vont témoigner que tu as réellement rencontré l'homme de Galilée qui t'a transformé. Il fait de toi une nouvelle créature. 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 Désormais, il chante ta visibilité. Il chante ta visibilité. Il chante ta visibilité pour te donner une nouvelle visibilité. Il te donne de nouvelles visions. Il te donne de nouvelles visions et il te révèle sa volonté. Oui, tu ne feras que sa volonté. Tu ne feras que sa volonté. Il te révèle maintenant sa volonté. Oui, c'est lui qui doit te dire va à gauche. C'est lui qui va te dire va à droite. C'est lui qui va te dire marche. C'est lui qui va te dire cours. C'est lui qui va te dire saute. C'est lui qui va te dire évangélise. C'est lui qui va te dire viens me servir. Désormais, il sème sa volonté dans ton cœur. La volonté de Jésus est semée dans ton cœur. Oui, tu reçois un amour particulier pour son œuvre. Un amour particulier pour son œuvre. Un amour particulier pour son œuvre. À partir de maintenant, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Ton étoile qui était restée cachée depuis longtemps. Jésus fait briller ton étoile maintenant. Jésus fait briller ton étoile. Jésus fait briller ton étoile. Jésus fait briller ton étoile. Jésus-Christ fait briller ton étoile. À partir de maintenant, nul ne peut plus retenir ton étoile. Parce que ton étoile, oui, l'heure de la gloire a sonné pour lui. L'heure de la gloire a sonné pour ton étoile. Ça va briller. Ça va éclairer ta famille. Ça va éclairer ton village. Ça va éclairer partout où tu passes. Oui, c'est l'étoile de l'évangile. Oui, tu es serviteur. Jésus fait de toi un serviteur. Et tu vas le servir. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, nous te disons infiniment merci.
Seigneur, tu as fait de grandes choses aujourd'hui. Tu nous as prouvé que tu es avec nous. Seigneur, tu as oint aujourd'hui tes enfants. Tous ceux-là qui sont passés par les eaux, tu as testé par ton Saint-Esprit que tu les as vraiment oui, sauvés. Tu as testé par ton esprit, oui, Seigneur, qu'ils ont l'assurance de leur salut. Tu as testé aujourd'hui, Seigneur, qu'ils peuvent maintenant partir en ton nom pour aller parler de ta part, pour aller faire de grandes choses, pour aller opérer de grandes choses. Seigneur Jésus, je prie que tu les conduises dans le masque chrétien. Je prie que dans les difficultés, les persécutions, les tribulations, tu sois là, Seigneur, tu sois un refuge. Tu sois comme, oui, Seigneur, un soutien, comme un ami fidèle qui n'abandonne pas. Je prie que lorsque le monde sera en train de se moquer d'eux, tu sois là, Seigneur, pour leur donner la joie, pour leur donner la paix. Et Seigneur, je prie pour les faibles, oui, que l'ennemi, oui, Seigneur, autour desquels l'ennemi rôde pour détruire, pour renverser leur foi, je prie que tu soutiennes leur foi. Je prie, Seigneur Jésus, que tu sois le solide fondement sur lequel ils sont bâtis, ils sont fondés. Seigneur, je prie que tu ne les abandonnes jamais. Seigneur, dans le noir, dans les ténèbres, dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, je prie que tu sois avec eux et que tu les fasses traverser jusqu'au bout. Seigneur, notre but, notre objectif, Seigneur, c'est le ciel. Alors accorde-leur le ciel. Que personne ici ne rate le ciel. Que personne ici, Seigneur, ne rate le jour où tu reviendras. Que nous soyons tous enlevés, emportés avec toi, Seigneur, pour nous réjouir dans la gloire. Seigneur, je prie, tu connais les besoins de chacun. Seigneur, je prie que tu viennes en aide à chacun. Que tu apportes la solution, oui, au problème. Et que la joie de chacun soit parfaite en toi. Seigneur, donne, oui, leur la force de garder ton nom jusqu'à leur mort. De garder ton nom, ta foi, jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia.